Mandé pour rattrapage, mais rattrapage. Ou même élève 9e, élève NS4K. Pensez à examen, je viens présenter un sublime succès. Sublime succès, il y a 8 ans depuis la baye. Bon résultat, nous avons fait examen l'État. Ou même qui fait SMP, SVP, SES, nous travaillons en ligne de 7h PM jusqu'à 10h PM. Donc, nous venons avec une autre partie pour vous. Donc, qui c'est première partie? Thème, la vision des couleurs. Certaines personnes grillent continuellement les feux rouges. Est-ce par manque de sagesse? Une pathologie non identifiée chez eux ne serait-elle pas à l'origine de ce comportement capable de causer des accidents graves? Donc, lorsque vous venez examiner, il est important pour garder le thème là, pour garder le titre là. Le thème là, c'est la vision des couleurs. Question 1. À quelle pathologie penseriez-vous dans un tel cas? Deuxième question. Dans un caryotype humain, où recherchiez-vous les gènes responsables de cette pathologie? Question 3. Écris les génotypes d'un homme sain s'est marié avec une femme atteinte du gène de cette pathologie. Citez des autres pathologies liées au sexe. Pour question 1, il est vraiment facile pour nous répondre. Donc, il a parlé nous de la vision des couleurs. Donc, pathologie qui en question, hein, c'est daltonisme. Donc, il te demande pour bail pathologie. On va répondre, on va dire la pathologie qui est en question, c'est le daltonisme. Pour qui ça? C'est parce que on t'a parlé moins de la vision des couleurs. Pas oublier, daltonisme, c'est l'incapacité de distinguer le rouge du vert. Donc ça, c'est la première question que on t'a posé maintenant. Moi répondre lui, la pathologie qui est en question, c'est le daltonisme. Lorsque vous venez examen, li important pour li texte là et puis pour garder titre li pour capable de qui ça y a parlé. Constatez que doit parler de hémophilie. Les ça principalement y a parlé de la coagulation du sang. Constatez que capable de myopathie. Deuxième question qui vous pose, yo dit dans un karyotype. Pas oublier karyotype, c'est les mêmes qui fait photo chromosome yo, c'est les mêmes qui relevé nombre de chromosomes que yon espèce gagne. Donc yo dit dans un karyotype humain, ou rechercheriez vous les gènes responsables de cette pathologie? Donc on va répondre, les gènes responsables de cette maladie ou bien de cette pathologie, on le trouve dans les chromosomes X. Qui ça fait c'est dans les chromosomes X que nous joignent gène là? Moi t'ai expliqué ça dans vidéo précédent. Côté m'te dit nous, daltonisme, c'est l'incapacité de distinguer leur couleur. Et moi t'ai allé plus loin pour m'te dit nous, gène responsable daltonisme, c'est un gène récessif. D, mais gène sauvage là, c'est D+. Mais puisqu'elles sont gènes récessifs, après ça, je vais aller plus loin pour te expliquer le caractère qui est lié au sexe. Eh bien, daltonisme, c'est un tare génétique. C'est-à-dire, ce sont des gènes qui sont liés au gonosome. Eh bien, kaifi, c'est XX, kai garçon, c'est XY. C'est 23e paire de chromosomes qui détermine le sexe. Et bien, puisque li lié au gonosome, c'est-à-dire li lié au chromosome sexuel, li lié avec hétérochromosome yo, et bien, puisque c'est fi qui transmet maladie ça, et bien, c'est X là qui ou abjoint gène là, c'est dans X là qui ou abjoint gène qui responsable maladie ya. Garçon, une fois que X garçon a attaqué, Y là lui-même li pas capable contre Karel, les ça ou ab dit garçon lui-même li malade. Et bien pour raison nous dit gène qui responsable maladie, gène qui responsable pathologie, li trouvé li principalement dans chromosome X, c'est pas dans chromosome Y.
Donc c'est ça pas gagné qui difficile. Dans question 3, yo dit écrit les génotypes d'un homme sain. Yo dit m'a écrit génotype yon garçon qui sain, yon garçon qui pas malade et garçon ça lui-même les marié avec yon femme qui atteinte, c'est-à-dire yon fille qui malade. Donc qui ça n'a fait, n'a écrit génotype là. Tout de suite n'a passé n'a écrit génotype là. Comme yo pa mande nous faire croisement, mais comme c'est travail, n'a tout fait croisement pour nous capable interpréter. Et puis après ça pour nous capable répondre quatrième question. Donc yo te mande pour écrire génotype là. Et bien génotype homme sain c'est XY, c'est-à-dire garçon ça il pas malade. Génotype femme malade et génotype femme qui a tête là. Donc c'est XD XD. Femme ça lui-même li malade. S'il te portez, li ta XDX. Mais li malade, li se XDXD. Konya la, c'est une question posée m'la, m'get en fini. Mais comme était dans donné n'a pratiqué, n'a fait croisement. Na premier ligne là, n'a pour mettre homme sain qui c'est XY. Na premier colonne là, n'a pour mettre XDXD. Konya la, n'a fait croisement. On prend XD qui dans première colonne là, moi marié là avec X qui dans et première ligne là. Les bam XD X. On prend même XD qui dans première colonne là, on fait là avec Y là, les bam XD Y. On prend même XD qui en bas, on fait là avec X qui en l'air, les bam XD X. On prend même X là, on fait là avec Y là, les bam XD X. Donc là, li vraiment important nous fin faire croisement yo côté nous joindre 4 casiers, chaque casier a 25% ou bien capable dire chaque casier a c'est un cas qu'on y a là nous pral interpréter qui ça nous pral faire nous pral bay rapport phénotype et rapport génotype ça ou pas de jamblier yo lorsque rive dans examen l'état. Donc le casier a en bas X là nous wè gagnon XD X gon l'autre XD X. C'est-à-dire nous avons là gain un premier 25% XDX, gain deuxième 25% XDX, ça fait 50%. Et bien aller dans rapport phénotype, nous dit gain 50% filles qui porteuse parce que vous pas malade, vous porteuse. Pour être malade, il ta XDXD. Et bien gain 50% filles porteuse. Dans l'en bas Y là, nous gain XDY, gain XDY. Et bien nous dit là gain 50% garçon malade. Qui ça fait ou malade c'est parce que X garçon qui se gène récessif là li attaqué. D'accord? Eh bien nous dit gen 50% garçon qui malade. Kou yala na li nan rapport génotype. Rapport génotype nous te wè gen DXDX. Eh bien nous dit gen 50XDX. Laisse ça n'a parlé des gènes parce que lorsque vous parlez de génotype, n'a parlé ensemble des gènes d'un individu. Donc nous dit gen 50% XD X gagne 50% XDY, c'est-à-dire gagne 50% fille porteuse, gagne 50% garçon qui malade. Donc c'est ça pas gagne qui difficile zanmi yo, pas gagne qui difficile nan ka sa. Donc tout de suite n'a répondre avec quatrième question. Quatrième question te di ou pour bay de autres pathologies qui lié au sexe. Eh bien de autres pathologies qui lié au sexe, c'est myopathie et puis hémophilie. Myopathie et puis hémophilie. Donc nous camper là pour aujourd'hui, ou même qui veut faire partie des groupes de travail là, ou à contacter nous sur 38 14 46 22, ou même qui veut lancer séminaire ensemble avec nous, ou à contacter nous sur 38 14 46 22. Donc n'a rappeler ou séminaire c'est online la fête, la commencer 29 juillet, la fini et 8 août, c'est-à-dire dernier jour examen. Donc 29 juillet pour arriver 3 août, n'a travaille matin et n'a travaille dans la soirée. Tous les matières, mais nous gagnons horaire qui propre avec nous-mêmes. Lorsque nous arrivons 4 juillet, 4 août, cap yon dimanche, n'a travaille dans après-midi pour arriver jusqu'à 11h du soir. N'a fait tout jour examen comme ça. Ou vle avec nous en aller. Ou pas vle avec nous pas écrim pour bon plaisir. Donc on campe là, n'a croisé pour une autre vidéo. Bye bye.
communiqué. Tout élève NS4 rassemblé. Ou besoin réussir dans examen baccalauréat année ça, ou besoin un groupe de rattrapage qui pour voyer aller composer tête glacée si span chercher jodi a même. Bienvenue à Sublime Succès, le groupe de rattrapage dédié à votre réussite. Nous avons organisé un séminaire orientation exceptionnel en ligne sur WhatsApp pour aider à réaliser objectif académique. Élève NS4 Moyo, candidat ça bien. Séminaire fait 29 juillet arrivé 8 août. Sublime Succès a travaillé plus dans l'assouet avant de composer le matin. Nous te confèle, nous fait et nous avons toujours fait. Jean ou sautan de la Sublime a fait succès depuis 8 l'année. Yo essayé barrer nous, mais nous c'est roseau. Nous pas cassé. Nous couvri tout 10 départements pays. Messieurs Emmanuel Nozier, PDG. Messieurs Fritzner Nozier, secrétaire. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez-nous au numéro suivant. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 38 14 46 22. Plus 509 37 46 93 15. Plus 509 37 46 93 15. Et sur Gmail, Emmanuel Nozier 7 à commercial@gmail.com. Visitez-nous sur notre channel YouTube Sublime Succès.